Collective and beating Oliver Clark by just a quarter of a second. So Oliver Clark in second position. Then, a few tenths adrift is Milan Petelet, the French driver, in third, and Martin Hébett in P4. Dante Yu from the USA. Hébett was from Belgium, and Dante Yu is from the USA. Carlos Saval in sixth position from Spain. Owen Wyatt is P7 from Great Britain. Arnaud Malizia in 8th position, he's a French driver. Angus Mosdale is P9 ahead of Dick Yu from Hong Kong. On pourra remarquer quand même une belle remontée de la part de ce numéro 140, le Britannique Angus Mosdale, qui ne partait pas dans les premières lignes. Il partait à l'extérieur de la 9e ligne en 18e position. Il termine à une honorable place, 9e, et puis Adam Etekki, plus loin également, qui partait en 20e position, qui termine 13e. Donc un grand bravo à ces deux pilotes pour leur remontée dans cette manche qualificative junior. Already have the drivers who are getting ready for the next heat, the F against H in the junior category. Here we come next. And in this, no, it's the senior class, sorry. The senior class getting ready for the next heat, F against H. So the starting grid, on this starting grid, we will have Oliver Hodgson, number 314 on pole position. He's a British driver with an impressive record to his name, number 314. Let's just mention that he was second, so runner-up in the Europa Challenge this year in Castelletto di Pranduzzo, 11th last year in the international final, 4th in the Winter Cup in the KF class last year, 2015, 16th in the European Championship, 18th in the Winter Cup in 14, and he was third in the Rotax Senior Grand Final back in 2012. So alongside Oliver, we will have David Bowman, a young French driver, looking better and better. Maxime Briand and Diogo Pinto will share a row too. We have Jordan Brown, Nutley, and André Pitts in on the third row of the grid, so that's P5 for Jordan and P6 for André. Vincent Marceroux and Louis Durand are the two French drivers sharing row 4. Then on the row 5 we have Noah Loy and Tobias Dauenhauer, the German driver, who recovered strongly in the first heat. Sautons pour grille les X30 Senior Série F et H avec en première ligne à la corde le 314 Oliver Hodgson qui évolue sur un châssis Birella, qui est pilote du team PFI International. Il est accompagné par le 229 s'agissant du français David Bowman. David Bowman qui lui est chez Ludo Racing, il évolue sur un châssis Cosmic. En seconde ligne, Maxime Briand, le 372, qui avait effectué une belle première manche. On lui souhaite de réaliser la même, bien sûr, dans cette seconde. Maxime qui évolue sur un châssis Cosmic. Il a été champion régional ouest en cadet en 2011 et 2016. Eh bien, il a participé également au championnat régional ouest. Maxime Briand qui est sponsorisé par le Conseil Général, par ITF Imprimeur et par STK, École Supérieure Technique Auto et aérodynamique. En seconde ligne également, Diogo Pinto, le 320. Ce pilote portugais, 9e de l'X30 Challenge Europa cette année, qui évolue sur un châssis FECART. Il y a derrière eux, en troisième ligne, Jordan Brown-Nutley, le 230, et André Pitts,
le 359. Nous avons la quatrième ligne, Vincent Marceroux, le 251. Vincent, qui cette année est champion de France en catégorie nationale, 17e du championnat de France, aux côtés de Vincent Louis Durand, le 223, également pilote français qui évolue sur un châssis Tony Kart, 16e du trophée Kartmag. En cinquième ligne, Noah Loez, le 289, et Tobias Donauer, le 310. Sont en sixième ligne, Marc Lichfield, le 301, et Rowan Greenwis, le 317. À la septième ligne, Enki Waldschmidt, le 274. Johan Caillot, le 212, l'y accompagne. Johan, qui est du team SMS, oui. Vous m'avez troublé. En huitième ligne, Sami Saradinen. Le 322, 228, Luis Duarte, l'y accompagne également. La 9e ligne, Gary Edwards, le 287, et Alban Nerguti, le 332. 10e ligne, avec Callum Barnett, le 277, et Fraser Rose, le 250. Ce sont ces pilotes qui sont en prairie actuellement. Ils sont au nombre total de 30 pilotes, puisque la dernière ligne est occupée par Denny Smith, le 242, et Kachadurian Ashray, le 389. Let's have a look at row 13, where we can find Mats Grafsen. Mats Grafsen sent us information about himself. So we have the news of this about this driver from Denmark, who lives in Slagelse. He's 7 years old and races karts. He's been racing karts for 4 years. He was a Danish X30 champion, and his sponsor is All German Auto. And there was a question, anything you want commentator to say about you? And he replied, say thanks to Martin Christensen. So that's what we do, Mats, and we wish you a good weekend. We also have a few information about Niklas Koch, who is 15 years old. He's from Germany, from Rittstadt, Frankfurt am Rhein, Darmstadt, in this area. So he started karting in 2012. He was fourth in the X30 Junior Bundesendlauf ADAC in 2015. And second place for him in the WAKC Germany. That must, I think it means the West Karting Club or something. The letters WAKC. So he was second in this championship back this year. And his sponsors are ADAC Hessen Thüringen, Glassmann Baumaschinen, Ham Catering, Medialine AG, RL Fundgrube, Peters Auto. Auto, Leckererei. Et alors, ce qui nous répond sur le X30, hein, why not? It's my favorite motor engine. C'est son moteur préféré, ça tombe très très bien. So, congratulations to Niklas for taking part in the meeting and have a good weekend. Voilà, alors que je voudrais passer un message à l'attention de tous les pilotes, aussi pour leur dire que ce soir, il faudra rapporter les transpondeurs en location qui seront rechargés au motorhome X30, c'est-à-dire au motorhome de la Yamé. Alors, n'oubliez pas, à partir de 17h, il faudra ramener vos transpondeurs, tous les transpondeurs qui ont été loués, bien évidemment, au motorhome de la Yamé. Yes, if you rent your transponders, you have to bring them back to the X30 motorhome, to the Yamé motorhome, to charge the batteries. So don't forget, if you rent your transponder, you have to bring them back this evening from 5 p.m. to the Yamé
motorhome to charge the battery. The grid is almost ready to go with Oliver Hodgson on pole, David Bowman, Maxime Briand, Diogo Pinto, the Portuguese driver, who battled hard in the first heat, number 320, Diogo Pinto from Portugal. He's at the wheel of the FA Kart. He was a Portuguese champion and the Taça de Portugal winner back in 2014. Also a Portuguese champion in Cadet in 2011. So, great record to his name. Diogo Pinto will start from outside row 2. Then we have Jordan Brown, Nutley, Adrien Pitts, Vincent Marceau, Louis Durand, Noah Loez, Tobias Dauenhauer, Mark Litchfield, one of the most famous drivers on the grid, number 301. Mark Litchfield, if you attended some European and world champion events back in the year 2000. You've probably heard of him. He was a 10th in the European Championship Formula A in 2006. He took part in many world championships. For example, in 2008, he was in P20 and also 11th in the World Cup KF1 in 2009, second in the World Cup in 2011, fifth this year in the Europa Challenge. Mark Litchfield will start from row 6, from P11, so let's see if he's able to recover. And we have one driver on this grid who tested a Formula 1 car. It was a Toyota Formula 1, and Henke Waldschmidt tested the Toyota Formula 1 car in December 2008. So number 314, Oliver Hodgson, trying to keep the leading position in turn one. And he succeeds, and he's heading to turn two in the lead with Diogo Pinto in second position, Jean-Pierre. Oliver Hodgson en première position, il a réalisé le meilleur départ, il était à la corde de la première ligne, 314, avec derrière lui, vous disiez, Roman, David, Diogo Pinto, le portugais, qui a pris un excellent départ, ce numéro 320. Et puis, eh bien, d'entrée, il y a eu une bagarre derrière ces deux pilotes et ça a provoqué un écart entre ce duo de tête et leurs poursuivants immédiats.
Est-ce David Non, non. Ah, il nous fait peur, lui, là. On protège une antenne, alors est-ce qu'il y aurait de la pluie ou alors c'est en prévision? Vraisemblablement, à la météo hier au soir, on ne nous annonçait pas de pluie, donc on va considérer que c'était une bonne information. Alors que voilà, eh bien, ces pilotes sont passés. C'est Maxime Briand, le 372, qui est à la troisième position. Il l'a perdu. Elle est occupée par le 372. Il a reprise Maxime Briand. David Baumann, de 229, est à la quatrième position. Derrière David Baumann, Tobias Denauer, l'Allemand, qui est à la cinquième position, ce numéro 310. Oh là là, ça se chahute derrière Maxime. Yeah, Maxime Briand is in third position, but look at the drivers just behind him. It's an intense battle for third position. Maxime Briand is a French driver with a Cosmic, and at the front it is still Oliver Hodgson in the lead, and Diogo Pinto took a very good start from P4. He is now running in P2 at the moment. He was able to overtake Hodgson, but he preferred to be patient in the first lap. So now this is beginning of the third lap of the race, and Hodgson still leading ahead of Pinto and Maxime Briand, now with David Baumann just behind him, and the battle between Vincent Marceau and Jordan Brown Hutley. Vincent Marceau, qui avait perdu sa position, vient de la reprendre, c'était la cinquième position. Il lui avait été ravi par le Britannique Jordan Brown Hutley, qui est donc à la sixième position, alors que là ça s'est mal passé dans le pif-paf des deux chaînes. A priori, c'est un saut de chaîne pour ce pilote. Oh là là, dans la ligne droite, il y a eu du rififi un petit peu. Un pilote qui était dans les premières positions, ce ne serait-ce pas Jordan Brown Hutley, le 230, et qui était titillé dans la ligne droite du chemin bleu. On le saura dans quelques instants. Eh bien non, c'était pas lui, c'en était un autre. Le meilleur temps, 56-666, c'est Oliver Hodgson, le Britannique, en position de leader, largement d'ailleurs, avec une seconde et un dixième sur Diogo Pinto. Le 320, là c'est une surprise de voir Diogo Pinto qui a perdu le contact définitivement, vraisemblablement, avec le leader, et qui va être rejoint par deux Français dans un premier temps. Maxime Briand, le 312, le troisième, et Vincent Marceau, le 251, en quatrième position. Yes, the gap is now more than 1 second between Oliver Hodgson and Diogo Pinto. They were very close to each other, and now the gap is really big, getting bigger and bigger, with Oliver Hodgson leading and Diogo Pinto. We have to fight against Maxime Briand, a very strong French, a very young driver. He was not so famous so far, but maybe he's going to become a big star this weekend. Maxime Briand running in third position ahead of Vincent Marceau and Jordan Brown, not least Tobias Dauenhauer, who was really strong in the first heat at the end, especially at the end. Tobias Dauenhauer won the ADAC Masters in X30 Senior twice this year and last year. So you have to watch, of course, this German driver with the red, flashing red helmet, a red fluorescent red helmet, just like Michael Schumacher. Hodgson en démonstration actuellement, il avait une seconde et demie d'avance sur Diogo Pinto, le 320, ce Portugais donc qui est à la seconde position. Portugais qui a été rejoint par Maxime Briand, le 312, par Vincent Marceau, le 251. Doit-il... Waouh, Maxime Briand qui vient de perdre sa troisième position, c'est Vincent Marceau, le 251, qui vient de la lui souffler à l'instant. Maxime Briand est en quatrième position, cinquième le Britannique Jordan Brown Hutley, sixième Tobias Denauer, le 310, Marc Litchfield, le 301, est à la septième position actuellement. Marc Litchfield, eh bien qu'il n'était pas dans les premières lignes, il est en train de faire une bonne manche. 11e sur la grille, donc c'est quand même une belle remontée. Il est en 7e position, et puis c'est pas très loin devant lui, puisqu'il était à 2 dixièmes seulement de la position précédente. Meilleur temps, Denauer, 56-0-94. Et pratiquement 2 secondes d'avance maintenant pour le leader sur le Portugais. Et we were expecting to see Mark Litchfield, who started from P11, recover in this race, and he did quite well since the beginning with P7 at the moment. For the British driver, so Mark Litchfield
the 301. He's in seventh position, and now he's going to close the gap to Jordan Brown Hutt-Nutley, who was overtaken by Tobias Dauenhauer, the German driver, now in P5. So Oliver Hodgson is still leading with more than 2 second gap to Diogo Pinto. Then it's Vincent Massereau who overtook Maxime Briand and Tobias Dauenhauer. Maxime Briand qui se fait une petite frayeur malgré tout dans le passage de la courbe des deux chaînes. Il a soulevé un petit peu de poussière, il a conservé sa position. Mais c'était franchement proche d'une sortie, ça aurait été dommage. Alors que Hodgson, Oliver, eh bien, il a amélioré le meilleur temps de course, 55-951. Et il a accentué son avance, 2 secondes et 1 dixième sur le portugais Diogo Pinto, le 320 qui est toujours en seconde position. Il est sous la menace directe, le portugais du français Vincent Marcevaux, le 251, et qui est à la troisième position. Quatrième position, elle est occupée maintenant par le 310 Tobias Dauenhauer. Maxime Briand rétrogradé à la cinquième position. Sixième position toujours pour Jordan Brown, Nutley, le 230. Et Brown qui est en train d'inquiéter. Ah, il a pris le vibreur, ça a profité à Maxime Briand pour conserver sa cinquième position. Le Britannique Brown est maintenant sous la menace directe de Lichwied et de David Bowman. Yes, we have 124 cars entered in this category and 34 started this heat. 29 are still running at the moment and one is leading. It is Oliver Hodgson with a clear lead to two drivers fighting for second position. It's now Vincent Marcereau in second and Diogo Pinto in third with Tobias Dauenhauer, who recovered to P4 now. And this is with three laps to go, the battle for second position that it's really interesting to watch. Is Vincent Marcereau able to resist to the Portuguese in third position, Diogo Pinto, Tobias Dauenhauer? Dauenhauer is expected to join these two drivers, this pair of drivers fighting for second position. And then we have Maxime Briand in fifth and Mark Litchfield from P11 on the grid to P6 at the moment, the British driver with so much experience under his belt. Neuvième passage dans le banking pour la tête de la course avec une supériorité manifeste de la part du Britannique Oliver Hodgson, le 314, et qui est en tête. Il avait 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur le français Vincent Marcereau, le 251, qui était toujours à la seconde position. Il a juste derrière lui Vincent, le portugais Diogo Pinto, le 320. Derrière Diogo est en train de revenir Tobias Dauenhauer, le 310. Il est toujours à la quatrième position. Et il a passé le portugais Dauenhauer. Diogo Pinto est à la quatrième position, cinquième position toujours pour Maxime Briand. Aurait-il un petit souci, le portugais? Est-ce que ça va profiter derrière à Maxime Briand qui est suivi à quelques longueurs par Mark Litchfield et par Jordan Brown Nutley? Il a été, Mark Litchfield, un petit peu généreux dans l'entrée de la courbe des deux chaînes. C'est bien récupéré malgré tout. Interesting battle between Diogo Pinto, Jean-Pierre, and Dauenhauer from Germany. And Vincent Marcereau now is able to pull away in second position from these two drivers in the who are battling for the third position. So Vincent Marcereau is still in second, and Maxime Briand is joining the battle. He's pushing hard, trying to overtake Dauenhauer, but he didn't succeed. So Vincent Marcereau is still in second position, number 2, 51, number 2, 51, Vincent Marcereau of VDK Racing. Of course, the Belgian team is from La Volanne in France. He was the champion this year of the national category, which is the equivalent of Rotax Junior. So Vincent Marcereau is in second, he's the French champion this year. And so the gap to the leader, Oliver Hodgson, is more than 3 seconds, so the best Vincent Marcereau is able to hope for is the second place, but Diogo Pinto is really hot just behind him, right on his gearbox. Dernier passage dans le banking, regardez ce qui se passe, Romain, Maxime Briand qui vient de prendre la quatrième position et de retour à la cinquième, Tobias Dauenhauer a eu une réaction, il reprend sa quatrième position alors que Vincent Marcereau, l'auteur du meilleur temps, 55-821, est toujours en seconde position. Dans son pare-choc, le portugais Diogo Pinto. Alors que nous avons l'arrivée victorieuse. Et la bagarre pour la deuxième place, Jean-Pierre, battle for second with Diogo Pinto. Eventually was able in the last corner to overtake Vincent Marcereau. Fantastic battle. And just 1/10 of a second and a half
difference between Pinto and Marceau, but it's a really, really great victory for Oliver Hodgson. A strong pace for the British driver. Can you imagine? He just won by more than 4 seconds to Diogo Pinto, who had to fight against the French driver Vincent Marceau, with the French champion this year. And I think Diogo Pinto is also a Portuguese champion, of course, number 320. Let's have a look at his record. Yes, Diogo Pinto was the French Portuguese champion. It was in 2014. So congratulations to all these drivers for battling so hard, and to Tobias Dauenhauer in P4, to Jordan Brown in Nutley, who's an eventual fifth. Maxime Briand.